La destruction des autels aide les chrétiens à mener une vie de victoire et réaliser la victoire de la croix dans son quotidien. La destruction des autels rend la victoire de la croix manifeste. Par la destruction des autels, Colossiens 2, 14, 15 devient une réalité. Lisons-le. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça, c'est la première partie. La rémission de péché, c'est l'un des grands mystères du salut. Deuxième partie, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a fait deux choses. Il a effacé d'abord l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, les décrets de Dieu condamnaient l'être humain que tu es. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il était déjà signé et cacheté par Dieu. Il est venu par son sang, il a effacé pour que même quand on va chercher les traces, il n'y en a plus. Deux, il l'a détruit. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il en a fini une fois pour toutes. En faisant comment? En détruisant. C'est pourquoi je te parle des autels qu'on doit détruire, pas renverser. 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, dans les régimes lucifériens, les dominations, les pouvoirs régionaux, continentaux, nationaux, qui influencent l'humanité entière, il les a tous amenés à la croix. Et là, il a commencé à les dépouiller, à les désarmer. Il dit, vous ne servez plus à rien. Et il ne voulait pas faire les choses en secret. Il voulait que ce soit public pour que les diables ne viennent pas demander par devers toi autre chose. Il fallait que ce soit public, que tout le monde voit que c'est fini avec ce genre. Pour qu'ils ne viennent pas en secret t'asticoter, te revendiquer quoi que ce soit. Publiquement, au vu de tout le monde. C'est pour te dire, l'acte posé à la croix, Jésus voulait clore le débat. C'est pourquoi il l'a rendu public. Parce que même du temps de Romains, on condamnait aussi publiquement. D'où l'adage, la roche tapène est près du Capitole. Donc on devait pendre quelqu'un publiquement et ça sert de leçon à tout le monde. Et Jésus devait poser cet acte publiquement afin que Colossiens 1, 16, ajoute. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Éphésiens. Je parle encore des bénéfices de la destruction des autels. À moi, apôtre Léopold, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Pour quel but ? Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par toi la sagesse infiniment variée de Dieu. Que tout ce pouvoir des principautés, il y a encore une liste, que la destruction s'occupe. Voici la nouvelle liste. Éphésiens 6, 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes, on les rêve tant de guerre, n'est-ce pas? Mais ceux qui vous disent, un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi on doit parler des armes s'il n'y a pas de combat? Dans la destruction des autels, nous te disons, les armes de Dieu ne sont pas données à l'église ou aux chrétiens pour la parade, pour faire le défilé. Non, 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 l'ennemi ne fuira pas à cause de la parade. Il faut lui montrer la puissance de feu. Amen. Oui, Jésus a vaincu à la croix. C'est la parade. Mais quand l'ennemi vient, je ne vais pas continuer à lui dire, attention, Jésus a vaincu à la croix. Non, je dois sortir l'arme. C'est le seul langage qu'il comprend. Papa. Amen. Amen. 12. Pourquoi les armes? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, c'est encore dans la hiérarchie luciférienne. La destruction des autels rend cette victoire, rend ce texte que tu viens de lire manifeste. Ça devient une réalité pour toi. Amen. On détruit les autels. Qu'est-ce qu'un autel? Nous avions dit hier, défini l'autel comme étant un lieu ou une plateforme. C'est très important que tu connaisses ça comme ça. Ou encore un système où le monde spirituel entre en contact avec le monde visible, physique, sur des bases légales. Il y a toujours deux types d'autels. L'autel de Dieu ou l'autel du diable. Par l'autel de Dieu, quand Dieu se révèle à l'homme, les patriarches, chaque fois que Dieu s'est révélé à eux, et il leur parlait, il scellait les paroles de Dieu en bâtissant un autel et en sacrifiant. C'est-à-dire, par cet acte-là, il scelle son alliance au Dieu qui lui est apparu ce jour-là et confirme la permanence des paroles de Dieu, même après sa génération. Et ce que Dieu vient de me dire là ne sera plus révoqué. Voici les signes, c'est l'autel. C'est un lieu où le divin a rencontré l'homme et il a parlé à un être humain. Et il a scellé des accords mystiques, supérieurs, qui dépassent l'espace et le temps. Deux, définition l'autel comme étant un endroit d'autorisation. Nous autorisons les lois spirituelles et aux esprits de fonctionner parce que c'est le spirituel qui a la primauté sur le physique, sur la matière. Dans tous les domaines, tu dois savoir que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Et la réalité physique n'est que la conséquence d'une réalité spirituelle. Donc, pour mieux composer, pour mieux opérer, on doit se rassurer que sur le plan spirituel, nous avons conquis des espaces déjà spirituels. Le spirituel contrôle la matière. Hébreux 11, 3. On y va. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Moi j'ajoute, mais des choses invisibles. Ce que nous voyons ne vient pas du hasard, du darwinisme. Ça tire l'origine du spirituel. Et Paul nous dit dans Corinthiens, il dit, les choses visibles sont éphémères, mais les invisibles sont éternelles. Donc, dans le pouvoir de contrôle, tu dois te rassurer que sur le plan spirituel, que tu as déjà un contrôle d'avance, une maîtrise d'avance. Derrière les rideaux, tu as le contrôle. Et quand les événements arrivent, tu peux te moquer d'eux, parce que dans le monde spirituel, tu avais anticipé. Tu sais ce qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est pour cela
que Dieu, quand il appelle des hommes, des femmes, il les appelle d'abord dans le monde spirituel. La destruction des autels nous permet de comprendre. Il y a un temps de l'ignorance. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps où Dieu peut décider de mettre fin à l'humiliation et nous engager nous-mêmes dans un grand moment de bataille. Je disais tout à l'heure, les enfants, les garçons et les filles qui sont nés avec des défauts, les uns ne marchent pas. Vous avez un kizengi là-bas qu'on cache derrière la maison. Ou un enfant, on vous dira, lui, cette partie de l'oreille n'existe plus. Il est né sans son pavillon, sans son temple. Et l'autre là, on vous dit, non, il n'a pas son orteil tel. Il est né comme ça. Ce sont des éléments, des offrandes spirituelles qu'on a libérées, sacrifiées. Et la honte de cette infirmité fait la force de celui qui gère, qui patronne l'autel. Il se réjouit dans les souffrances, dans les douleurs et dans les humiliations. S'il y a des misères, des choses mystérieuses qu'on ne peut pas expliquer, qui frustrent, qui donnent la sueur froide, qui nous font peur, s'il y en a en répétition, c'est l'autel. Deux, dans le cas de la lignée sanguine, les mauvaises habitudes, caractères, comportements réprochables à répétition, caractérisés à répétition, c'est tel. Ou une tétutesse à répétition. Vol à répétition. Tout le monde. On t'a orienté. Tu es allé tomber dans une histoire appelée mariage. Cette femme qu'on t'a fabriquée de toutes pièces. Ou cet homme-là, on l'a coché déjà spirituellement. On te l'a lâché. Tu te retrouves dans des histoires. Il y aura des bouleversements. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Désormais, on ne nous parlera plus de l'ancienneté, des années que tu es resté dans une église. Non, tu vas nous présenter qu'est-ce que Dieu a fait avec toi, les victoires, les humiliations, les échecs et les trophées remportés. S'il te plaît, humblement, nous levons nos mains. Personne n'échappe à cet enseignement de ce soir. Personne. Elohim est juste. Il y a des hommes et des femmes, des filles et des garçons que Dieu veut libérer pour toujours. Si moi je ne suis pas passé par toutes ces étapes, la destruction des autels n'allait pas avoir lieu. Et là, qui te parle? L'homme qui connaît comment être humilié avec la Bible à main. L'homme qui s'est gêné sans résultat à cause des autels. Tu dois être prêt à croire que même les choses les plus humiliantes qui te courbaient le dos là vont te relâcher pendant ce chapitre.